Et voilà, Jim s'est fait niquer. Là, vous venez d'assister, sans probablement même vous en rendre compte, alors que le logo Nintendo était toujours inscrit à l'écran, au scénario en fait de ce que va être, de ce que est ce Earthworm Jim 2. Donc la princesse qui s'est fait enlever, bien sûr, par le méchant de service Psycro. Il est de retour, hein. On reverra, on redécouvrira beaucoup de personnages issus du premier Earthworm Jim, bien évidemment. Donc Earthworm Jim 2, c'est un jeu qui est sorti un an après le premier volet, un jeu ultra attendu, bien évidemment. Le premier volet avait fait sensation, hein. C'était un méga hit sur la Super NES tout comme sur la Mega Drive. Et donc beaucoup de personnes, dont moi, attendaient le deuxième opus, sorti un an plus tard, fin 95. Personnellement, je dirais pas que j'ai été déçu, mais j'étais un peu. C'est pas. Je vais vous dire de suite, hein, je vais pas faire durer le suspense. C'est pas un jeu que j'apprécie énormément, ce Earthworm Jim. Pourtant, il a beaucoup de qualités. D'abord, vous le voyez, il y aura beaucoup de mini-jeux comme ce que vous voyez là à l'écran. Hein, c'est la démo qui s'est enclenchée. C'est presque plus ce Earthworm Jim 2, une sorte de medley, si vous voulez, de mini-jeux, plutôt qu'un véritable jeu de plateforme. Alors que le premier volet, c'était d'abord un jeu de plateforme, où il y avait à l'intérieur des minigames. Là, c'est le contraire. Ce deuxième volet, il y a plus de minigames finalement que de plateformes. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de minigames et même des phases de plateforme qui sont chiantes à jouer. En tout cas, c'est mon avis. Évidemment, ce n'est que mon avis. Je connaissais même des joueurs à l'époque qui préféraient ce second volet. Mais personnellement, je trouve que le premier est supérieur. Voilà, j'ai un souci avec Earthworm Jim 2, j'ai un gros problème. J'ai beaucoup de mal à y jouer sans m'emmerder profondément. À l'époque, je l'avais acheté sur la Super NES et je l'avais revendu quelques jours plus tard. Je l'avais fini très très vite parce que c'est un jeu qui est quand même assez simple. Et vraiment, je sais pas. Il y avait quelque chose qui. Il y avait un truc avec moi qui n'allait pas. Je n'arrivais pas à m'amuser. Je saurais pas vous expliquer pourquoi. Hein, parce que il est pas totalement différent du premier finalement. C'est pas. Ah putain, je croyais qu'ici il y avait une carte, elle n'y est même pas. Ah, j'ai pas compris, tiens. Normalement, ici, il y a une carte qui nous sert en fait pour le système de password totalement foireux du jeu, mais ça, j'y reviendrai. Tu sais, c'est bizarre, ça veut peut-être dire qu'il change de place aléatoirement quand on refait une partie. Ah, je saurais pas vous dire, tiens. Très étrange ce qui vient de se passer là, enfin, on s'en fout. Ouais, et donc voilà, je saurais pas vous dire, mais je préfère le premier. Alors voilà, déjà là, on commence avec déjà une phase totalement originale. Bien sûr, ce qui a fait la force des Earthworm Jim, c'est l'univers. C'est l'humour décalé, l'humour omniprésent, c'est la marque de fabrique, ça a toujours été ça, c'est la marque de fabrique des Earthworm Jim. Là par exemple, je dois prendre des cochons et je dois les amener de l'autre côté, évidemment, vu que là j'embarque un porc avec moi, je suis beaucoup plus lourd, hein. Je dois sauter tout ça et vous allez voir pourquoi je vais prendre ce cochon. Voilà, ici pour l'instant, regardez, je vais le poser là. Regardez, ici, si j'essaye de passer, voilà, je me fais shooter par cette espèce de bonhomme là. Et donc, je ne peux pas passer. Faut que je prenne le cochon. Ah non, de Dieu! Qui a disparu! Saloperie de cochon. C'est pas grave, on va aller de l'autre côté. J'en profite pour vous montrer un peu les nouveaux mouvements. Parce qu'on a des nouveaux mouvements. Évidemment, on peut toujours tirer. Oh, putain, cette arme, elle est complètement pourrie. Elle sert à rien, là. L'espèce de pistolet qui envoie des bulles. Je comprends pas. Une nouveauté, par contre, c'est que maintenant, on peut changer d'arme quand on veut. Alors que dans le premier, on était obligé d'utiliser. Quand on prenait le méga gros phaser de la mort qui tue tout, il fallait l'utiliser directement. Maintenant, en appuyant sur le bouton X, on peut changer d'arme. Voilà, donc toujours la petite mitrailleuse. Ah, une triple mitrailleuse. Maintenant, regardez, il se sert de ses trois doigts pour faire une triple. Il envoie dans trois directions à la fois. Bref, beaucoup d'armes différentes. Je crois qu'il doit y avoir 5 ou 6 dans le jeu. Également, on a un nouveau compagnon avec nous. Regardez. Une espèce de slime qui nous accompagne durant toute l'aventure. Et donc, il va nous servir comme ça à nous accrocher. Quand on aura en fait des parois vertes, des parois gluantes, on pourra s'accrocher comme ça. Et donc, de ce fait, le lasso qui est toujours là. Enfin, le lasso, c'est pas le lasso. En fait, c'est le corps de Jim. Hein. C'est la combinaison qui se sert du corps de Jim pour fouetter. Ça, c'était déjà présent dans le premier. Mais là, ça sert plus à rien du tout. Étant donné qu'on a ça, le lasso, on ne s'en sert plus jamais. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, ce coup-là, non, je me suis raté. Voilà, comme ça, il gonfle. En fait, je crois que ça sert pour impressionner les ennemis, mais je m'en suis jamais servi, donc je peux pas trop vous en parler. Et enfin, voilà, le parachute, on s'en sert très peu. Et puis, de toute façon, ça, c'était une fonction qui était déjà présente dans le premier volet. Sauf qu'en fait, on n'avait pas cette espèce de parachute. Jim faisait tournoyer sa tête sur lui-même. Il faisait une espèce d'hélicoptère, mais ça avait à peu près la même fonction. Donc voilà pour les nouveaux mouvements. Je crois avoir tout dit à ce sujet-là. Donc j'ai tenté
cette fois-ci, de mettre le cochon à sa place, c'est-à-dire sur le toboggan. On actionne ce machin là, regardez ce qui se passe. Voilà. Oh putain, je me suis fait toucher juste avant. Le cochon, en fait, est allé dans le bocal. Donc, en fait, il a bouché le bocal et maintenant, je veux passer. Il y aura énormément de petites phases comme ça, assez comiques. Ah, le continue ici signifie le checkpoint. Si je meurs, je pourrais recommencer d'ici. Ah, mais je veux pas utiliser cette arme là, qui envoie des bulles, elle est pourrie, je comprends pas à quoi ça sert ça. C'est peut-être parce que je suis allé dans l'eau et maintenant ça envoie ça. Les phases de combat sont toujours aussi foireuses que dans le premier épisode, c'est-à-dire on sait pas trop quand on touche un ennemi. En même temps, c'est pas non plus ça qui a fait vraiment le succès de... Enfin, c'est pas ça qui est important dans Earthworm Jim, on s'en fout complètement des phases de combat. Mais c'est vrai qu'elles sont pas top. Ah voilà, ça c'est une nouvelle arme, regardez. On sait pas trop ce que c'est, on tire avec une espèce de maison et ça envoie un espèce de gros rayon qui tue tout à l'écran. Évidemment c'est sympa, mais encore une fois on s'en sert très peu vu qu'on a pas beaucoup d'ennemis à tuer. Je comprends pas trop l'intérêt d'avoir mis autant d'armes différentes si on ne s'en sert pas. Mais bon, ce n'est qu'un avis personnel. Là encore une fois, une phase assez originale, on se sert de cette espèce de fauteuil roulant. C'est pas un fauteuil roulant, c'est un fauteuil en fait qui se met sur les escaliers pour pouvoir... Oh putain, mais non! Pourquoi je suis pas accroché? Ah, c'est bon, j'ai du bol. Ah, pourquoi je suis pas accroché? J'aurais dû m'accrocher, là. Et je vais vous montrer ce qui se passe quand on se fait agripper par une mamie, regardez. Allez, ah putain, voilà, je voulais me faire toucher, je me suis pas fait toucher, c'est pas grave. Pourquoi j'ai pas touché tout à l'heure? Ok, parce que j'ai laissé le bouton appuyé. Bref, c'est cette espèce de fauteuil avec des grands-mères qui tombent du ciel et qu'il faut éviter. Non, mais il faut pas chercher de... Il faut pas chercher de cohérence, hein. C'est bien, ça n'a ni queue ni tête, ça se prend pas au sérieux, et c'est ça qu'on aime, bien sûr, dans les Earthworm Jim. Ah ben là, il y a un autre, je vais pas y aller. Ça, c'est un stage bonus qui reprend le même système que tout à l'heure, donc avec les grands-mères, le fauteuil qui monte, et les grands-mères que l'on doit éviter. Mais je vais pas le faire, je vais essayer de me dépêcher, parce que l'objectif, c'est quand même de vous montrer plusieurs niveaux, parce que le maître mot de ce second volet des Earthworm Jim, c'est... Là, les espèces de verres que j'ai chopé, c'était un continu supplémentaire. Le maître mot de ce second volet des Earthworm Jim, c'est variété des situations. Voilà, c'est totalement différent. Là, je me fais électrocuter par une chaise. Je sais même pas si on peut éviter de se faire électrocuter par cette chaise électrique, là. Vu qu'on tombe pile poil dessus. Enfin, c'est pas grave, on va tenter d'aller par là. La musique de... Écoutez, je vous laisse écouter seulement quelques secondes la musique de ce niveau qui est génial. Évidemment, je vous laisse écouter juste au moment où la musique devient pourrie. Bon, on verra tout à l'heure si la mélodie revient. Parce que là, c'est revenu au début, mais tant que c'est pas le top. De toute façon, l'OST de ce second volet de Earthworm Jim est vraiment excellente. Ça, vous le verrez. Il y a beaucoup de musique classique. Ça alterne les phases comme ça de techno pure avec les phases de musique classique de Beethoven, tout ça. Vous verrez, je vous montrerai ça parce que franchement, il y a des mélodies qui valent vraiment le détour. Pour moi, c'est le meilleur point de ce Earthworm Jim 2. Voilà. Là, vous l'avez vu, il fallait mettre deux cochons sur la plateforme pour que ça fasse basculer le poids. Ah, est-ce qu'il y a un truc en haut, tiens. Pour que ça fasse basculer le poids et pour que l'on puisse passer. Écoutez la musique. Ah, la musique est absolument géniale. Et là, le premier boss, qui bien sûr est totalement bidon, mais c'est un énorme clin d'œil. Là, il faut avoir joué au premier gym pour comprendre. Je crois qu'il s'appelle le Bob, ce poisson rouge. Et en fait, c'est un gros clin d'œil. Je crois que c'était le troisième niveau, si je me trompe pas. Ben, c'est le niveau dans le premier Earth où on a une espèce où on est dans la bulle de verre. Là. D'ailleurs, que je vous avais montré quand vous avez fait la vidéo du premier Earthworm Jim. Et à la fin de ce niveau, donc, on a un boss qui est Bob, le poisson rouge. Je crois que c'est Bob ou c'est Bill, je crois, ou Billy. Je crois que c'est Bob. Et là, donc, ils ont voulu faire un petit clin d'œil, ils l'ont remis. Qui n'est pas véritablement un boss, bien évident. Oh putain, ce niveau-là, qu'est-ce qu'il est chiant. Ouais, c'est aussi ça que j'ai pas trop aimé dans ce Earthworm Jim 2, c'est que les niveaux, je trouve que la plupart des niveaux sont chiants. Voilà. Il y a 9 niveaux en tout. Et honnêtement, sur les 9 niveaux, mais il y en a au moins 4 ou 5, quoi. Tu les fais une fois, mais t'as plus envie de les refaire, quoi. Parce que c'est emmerdant. Ce niveau-là, il est d'une longueur. Qu'est-ce qu'il faut faire? On sait pas trop ce qu'il faut faire. Enfin, si, on sait qu'il faut faire, mais on sait pas trop pourquoi on est là, ni... Enfin, on sait pas trop ce que ça représente. Il y a une espèce de terre ou de sable, on sait pas ce que c'est. Et donc, regardez, voilà, par exemple, ici, regardez, je suis bloqué. Je peux pas aller là. Et ici, je vais être bloqué, voilà. Donc, il faut se servir de notre arme, de notre nouvelle arme, là.
durant tout ce niveau, on n'aura qu'une seule arme. Cette espèce de truc qui envoie des espèces d'éclairs dans toutes les directions. Et en fait, ça va servir à vaporiser la terre ou le sable qu'il y a vers le haut. Et si vous voulez, à la rematérialiser. Putain, je sais pas comment j'ai réussi à dire ce mot là. À la rematérialiser. Ouais, là, je suis pas certain de mon coup là. Rematérialiser. Ça doit se dire, ça. Bref, à ce que la Terre, en fait, si vous voulez, revienne par le bas. Donc, je ne comprends pas trop le principe. Mais bref, voilà ce qu'il va falloir faire devant tout niveau. Donc, vous allez me dire, c'est sympa. Et puis, c'est pas mal fait en même temps, hein, c'est vrai. Le problème, c'est que ce niveau, il dure une plombe, quoi. On fait ça pendant 10 minutes. C'est super chiant, je suis désolé, c'est super chiant. Parfois, on rencontre des petits ennemis, soit des espèces de larves là, soit des espèces de fourmis que vous allez probablement voir à un moment ou à un autre. Mais bon, c'est chiant. Ça, c'est un niveau que je trouve chiant. Vraiment, à l'époque, je l'ai fait une fois sur la Super NES, mais j'avais plus du tout envie de le refaire. Et ça, je trouve que c'est l'un des problèmes majeurs de ce second volet, donc des Earthworm Jim. J'arrête pas de le dire, ça, second volet des Earthworm Jim. Faut que j'arrête. Faut que je vide de ce jeu, tout simplement. Mais dans les problèmes de ce jeu, et puis, c'est que ça manque de fun. C'est-à-dire, on devrait avoir du fun à l'état pur, c'est Earthworm Jim, quoi. Et en fait, je trouve que. Ah, voilà, regardez. La slime là, donc je vais pouvoir me servir de ce que j'ai sur mon dos, espèce de mon compagnon slime vert là, et donc grâce à ça on peut aller vers le haut. Franchement, est-ce que vous trouvez que c'est un niveau intéressant? Honnêtement, je vous garantis que ce niveau là on le fait une fois, on n'a plus envie de le refaire. Voilà, moi je trouve que ça c'est l'un des problèmes, parce que ce niveau là il est chiant, mais c'est pas le seul, hein. Putain, c'est vraiment pas le seul. Hein. Je crois qu'on ne va pas le finir, parce que sinon vraiment je vous assure, on est parti pour encore au moins 5 minutes avant que je réussisse à le finir. Et en plus le boss de fin de ce niveau est super chiant, une espèce de larve, on est pratiquement obligé de se faire toucher. Oh, c'est vraiment vraiment relou. Et on a un timer, regardez en haut, là il me reste 45 secondes pour y arriver. Regardez ici, hop là, je ramasse cette espèce de montre et là mon timer j'ai plus de temps maintenant. Voilà, maintenant j'ai 85 secondes pour y arriver. Mais c'est chiant, vous trouvez pas ça chiant? Voilà tout ce qu'on fait, on utilise notre truc électrique là, notre fusil, méga fusil de la mort qui tue tout électrique vers le haut, pour que la terre d'en bas, c'est pas top, je suis désolé quoi, c'est marrant à faire une fois, mais c'est tout hein, vous trouvez pas ça chiant honnêtement? Si j'aimais des réserves, c'est parce que je suis l'un des seuls à dire ça. Ce jeu a eu des méga notes hein, à l'époque. Hein. Il était considéré comme un méga hit, hein, aussi bien, voire supérieur au premier volet. Je peux vous dire les notes, j'ai les magazines à côté de moi. Bon, je m'en souviens plus, donc il faudrait que j'ouvre les pages et tout ça, mais bon. C'est un jeu qui a eu entre 92% et 96%, quoi, selon les magazines. Donc vraiment, des notes excellentes, hein. Et je dirais, j'ai envie de dire qu'il mérite, parce qu'il y a quand même des niveaux qui sont excellents. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer un niveau en 3D isométrique où on doit pousser un ballon qui est très joli. Encore une fois, qui est chiant. On le fait une fois, on n'a plus envie de le refaire, ce niveau-là. Donc voilà, je n'ai pas très bien compris l'intérêt qu'a suscité ce second volet. Pour moi, vraiment, je dirais pas qu'il est raté, mais je dirais que Shiny, on peut peut-être un peu rater le coche. Je sais pas. Il y avait moyen de faire quelque chose de mieux. C'est pas, évidemment, c'est pas une bouse. C'est même un bon jeu, mais honnêtement, pour moi, il y a quelque chose qui va pas. Il y a un manque de fun flagrant, quoi. Disons qu'une fois que j'ai fait une fois que j'ai fait les niveaux, mais j'ai plus envie de les refaire. Étant donné que le jeu est quand même assez court, il n'y a que 8 niveaux. En ligne droite, le jeu, on le finit en 2 heures, voire moins de 2 heures. Il y a un problème quelque part. Voilà, on va s'arrêter là parce que franchement, je sais pas si vous trouvez ça intéressant. Moi, je trouve ça chiant. Donc, je vais changer de niveau grâce à un cheat code que je vais tenter de retrouver sur Internet. Je vais vous mettre, voilà, un niveau pas trop mal. Non, je vais vous mettre le niveau dont je vous parlais. Mais c'est lequel déjà? Putain, attendez. Non, c'est pas The Flying King. Ah, mais si, c'est ça, c'est The Flying King, je crois. Attendez, oh là là, je me souviens plus. Quel con. Ah, si, c'est ça, c'est The Flying King, je crois. Bon, on verra bien, The Flying King, c'est peut-être la salamandre, ça. Non, bah là, on y va. Bon, qu'est-ce que c'est quoi, le cheat code, là? A, B, X, gauche, droite, gauche, A, B. Merde, on n'a pas entendu le bruit. Zut, je recommence. A, B, X, gauche, droite, gauche, A, B. Ah, voilà, on a entendu le bruit, on va être téléporté. Je pense que ça, c'est le fameux niveau en 3D isométrique. On va voir. Ouais, c'est ça. Vu la musique, je pense que voilà, c'est ça. Ah, ce niveau est vraiment, vraiment joli. Donc, tout la 3D isométrique, les jeux en 3D isométrique sont assez rares. Et donc, on dirige Jim sur sa fusée.
En fait, la fusée, c'était ce qu'on avait déjà dans le premier IR, c'était les stages bonus, en fait. Voilà. Donc, putain, ça y est, je me suis déjà fait agripper par cette espèce de bonhomme. Tout ce qu'on peut faire, là, c'est tirer. On a une espèce de mitrailleuse, et donc on peut tirer. Et donc, ce qu'il faut faire... Putain, il m'énerve! Ah, oh, que c'est chiant, que c'est chiant, que c'est un niveau chiant. Il faut, en fait, pousser ce ballon, parce que juste au-dessous de ce ballon, vous voyez peut-être pas, mais il y a une bombe, il y a de la dynamite, si vous voulez. Et donc, tout au bout de ce niveau, totalement à l'opposé, il y a le Major Mucus, donc qui refait son apparition. Mais le seul moyen de le tuer, eh bien, c'est d'apporter ce ballon. Putain, mais que c'est chiant. Que c'est chiant. C'est d'apporter... Oh là 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 là. Ah, c'est une catastrophe. C'est de faire, en fait, voyager ce ballon, putain, jusqu'à l'autre bout du niveau. Et quand on sera à l'autre bout, ce qu'à mon avis je vais pas faire parce que vraiment c'est très très chiant, eh bien on pourra, il faudra en fait faire exploser le ballon pour tuer le Major Mucus. Voilà, le Major Mucus c'était le personnage d'espèce de glu verte, ah m'énerve lui, là. L'espèce de glu verte, putain en plus j'ai mal au pouce là, j'ai... Ah vache, est-ce que j'ai mal au pouce en jouant à ce jeu, non, enfin à mon avis c'est plutôt, je sais pourquoi j'ai mal au pouce. Je sais pourquoi j'ai mal au pouce. Putain, c'est à force de jouer à Street Fighter 4, là, parce que la manette de la PS3, c'est de la merde en barre. Mais on n'est pas là pour parler de Street Fighter 4. Oui, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus ce que je disais. Ah, t'as regardé l'espèce d'icône, là. C'est le système de password du jeu qui est complètement foireux. Oh là là, que c'est bidon, mon dieu. Parce que oui, il y a un système de password. Mais comment ça se passe? En fait, dans tous les niveaux, il y a 3 ou 4 petites cartes, comme celle que vous venez de voir ici, à ramasser. Oh putain! C'est pas vrai, ça! Oh, c'est pas vrai. Il faut que je refasse tout le tour. Il faut que j'attende de revenir là-bas. Oui, je disais donc, le système de password est super foireux et mal foutu. Parce qu'il faut récolter toutes les cartes d'un niveau, donc 3 ou 4. Et une fois qu'on les a toutes, en fait, on n'obtient pas un pass. C'est juste une fois qu'on aura perdu toutes nos vies et tous nos continues, on pourra, si on le désire, recommencer au niveau où on aura chopé toutes les cartes, c'est tout. Mais le problème, c'est qu'une fois que l'on aura... Si on éteint la console, eh bien, on devra... se retaper. Putain, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est un niveau. Oh, mais regardez-moi ça, voilà. Maintenant, il faut que je revienne en arrière. Ouh, c'est, franchement, c'est un niveau chiant. Encore une fois, ce niveau-là, on le fait une fois, on n'a plus envie de le refaire. Allez, on va partir de là, parce que ça m'énerve. Je vais vous prendre un autre niveau. Je vais vous... Ah, voilà, celui-là, il est pas mal, par contre. Là, il est un bon. Au bas, X, A, B, Y, gauche, droite. Ça n'a pas marché, évidemment. Au bas, X, A, B, Y, gauche, droite. Putain. Ok. Allez. Pourquoi j'y arrive pas là? Au bas, X, A. C'est ça pourtant. Au bas, X, A, B, Y, gauche, droite. Putain. Super. Il marche pas. C'est la fête. Alors pourquoi ça ne marche pas? Je vais tenter. Au bas. Le X, il est là. X, A, B, Y. Ok. Alors. Au bas, X, A, B, Y. Ah, ça y est, espèce d'enfoiré, là. Il voulait me niquer. Ouais, ce niveau-là est pas mal. Ce qu'on peut pas lui enlever, tout de même, malgré tous les points négatifs que je suis en train de vous évoquer, ça reste un bon jeu, et attention, ce n'est que mon avis personnel, n'oubliez pas ça. Voilà, ce niveau-là, par contre, il est pas mal. Et il fait penser au niveau de la bulle, encore une fois, de la bulle de verre du premier gym. Donc là, ce qu'il faut faire, en fait, on est gonflé à l'hélium, et donc il va falloir... En fait, on ne peut se servir que de deux touches. Une touche, regardez, il souffle, donc on est dans un état stationnaire. Il souffle un autre coup, on va descendre. Et pour si on appuie sur une autre touche, vite, vite, appuie, sinon il y a l'autre qui va nous blarder avec sa sarbacane, là, des espèces de cacahuètes. Et donc une autre touche, bien sûr, pour gonfler le ballon. Et grâce à ça, il va falloir aller le plus haut possible. Et en faisant, et voilà, je me suis fait niquer, en faisant attention à Evil the Cat, qui refait son apparition... pour tenter évidemment de nous mettre des bâtons dans les roues et donc de percer notre jolie tête. Oh, putain, je suis pris une ampoule là-bas. Je vais essayer de me concentrer. Voilà, déjà je vais prendre le continue ici, le checkpoint plutôt. Voilà, et donc, non, voilà, je vais me faire gonfler. Allez, vas-y, oui, c'est bon. Je vais tenter de me concentrer. Ouais, donc les musiques, je vais revenir quelques secondes sur les musiques. Qui sont vraiment pour moi, c'est le gros point fort du jeu. Vous verrez à la fin de cette vidéo. Oh putain, j'ai dû. Oh putain, non! Je pensais qu'il allait le faire qu'une seule fois, il l'a fait deux fois cet animal. Oh, j'ai raté la passerelle. Je vais essayer de me concentrer cette fois-ci. Attendez.
Je vais essayer de me concentrer. Voilà, par là. Non. Voilà, c'est bon. Ouais, donc la musique, donc tantôt techno bien foutu, tantôt surtout la musique classique, je vous l'ai dit. Oui, donc voilà, je réserve un niveau spécial pour la fin de cette vidéo, parce qu'il y a la Moonlight Sonata, vas-y, gonfle là. Il y a la Moonlight Sonata, donc la, voilà, ça c'est l'une des icônes qu'il faudra avoir pour avoir donc le password du jeu, qui ne sert à rien encore une fois. Oui, donc la Moonlight Sonata, la sonate au clair de lune, magnifique, de Beethoven, hein. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, mais qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, on l'entend également dans le premier Resident Evil. C'est la mélodie... Allez, vas-y, descends. Oui, ça, c'est beau, ça. C'est la mélodie que joue Chris ou Jill au piano. Non, je crois qu'avec Chris ou Jill... Non, je crois que c'est... Oh, putain, je suis mort. Évidemment, on a plus une barre de vie hein, en haut à gauche. Et là, j'ai dû trop me prendre de pêche dans la tête. Je suis mort. C'est pas grave parce que je venais juste d'avoir le continu. Voilà, donc on recommence juste à côté. C'est pas très grave. Pourquoi il veut pas se prendre le... Pourquoi il veut pas gonfler, là? C'est une dôme. Comment pas? Pourquoi il veut pas prendre le truc, lui? Alors, normalement, quand on se met là, ben, cette espèce de machine-là sert à nous mettre de l'air dans la tête, en fait. À nous gonfler, mais là, elle veut pas. Alors là... Ah ben ça y est, je sais pas ce qui s'est passé, un espèce de bug. Pourquoi ça voulait pas, je ne sais pas. Je n'ai pas assez joué à ce jeu dans le temps pour vous donner toutes les explications quand il y a un truc qui foire. Oh putain, attention aux ampoules. Voilà, là il me reste 55% de points de vie. On peut évidemment se remettre. Les points de vie sont les espèces de petites boules d'atomes. Voilà, comme ça là. Là je viens d'en prendre une qui servent à ça. Ou également on a des espèces de gros atomes. Oh, putain, qu'est-ce qui... Ça y est, il s'est arrêté. Allez, vas-y. On dégonfle. Oui, donc je réserve le niveau où il y a la sonate au clair de lune, la Moonlight Sonata, pour la fin de la vidéo. Vous verrez que cette mélodie est absolument génialissime. Je vais tenter de tirer ce niveau, je dois pas être super loin là. Après, je vous montrerai, je crois, un dernier niveau, puis on s'arrêtera là. Je vais pas vous montrer tous les niveaux non plus. C'est pas objectif, mais c'est vrai que les niveaux sont quand même vraiment variés. Ça, c'est le bon point du jeu également, c'est la diversité dans les niveaux. Et dans les actions que l'on va faire. Donc là, il faut faire gaffe à Evil the Cat qui est en train de prendre une autre technique. Regardez, maintenant, il monte en haut et il descend sur lui. Évidemment, s'il réussit à descendre sur nous... Non. Évidemment, il va faire péter le ballon et... Comme si... et ça nous fera tomber. Allez, je prends la vie. Voilà, maintenant. Non, pas maintenant. On va attendre le bon moment. Maintenant, oh putain, trop tard. Ok, il faut qu'on se concentre un peu là. Non. Maintenant. Oh putain, je me sens mal là. Ouf, c'est bon, j'ai eu du bol. Oh putain, il y en avait un autre juste en haut. Oh là. Allez, c'est bon, on va s'arrêter là. Je suis redescendu en bas là. Est-ce que... Ah oui, non, attendez, il y a un autre niveau que je voulais vous montrer, bien sûr. Ce sont les niveaux bonus en fait. On va prendre celui-là, alors. Bas, droite, A, B, X, gauche, droite, A. Ça n'a pas fonctionné, ça m'aurait étonné. Bas, droite, A, B, X, gauche, droite, A. C'est bon, ça a marché. Voilà, ce sont les niveaux bonus qui remplacent les niveaux de course à la fusée avec Psycho du premier volet. Ceux qui y ont joué verront de quoi je parle. Donc ça n'existe plus, mais regardez, on voit toujours Psycho. Donc voilà, ça c'est une phase qu'on reverra assez souvent dans le jeu. Elle y est 3 ou 4 fois. Hein. Ça se déroule en plusieurs rangs. Vous allez comprendre le principe. Regardez à gauche, normalement, voilà. On voit donc Psycho. Psycho is back. Ok, ça commence bien. J'ai déjà laissé tomber. Oh putain. Voilà, deux chiots. C'est magnifique. Je fais le gros boulet. J'ai déjà laissé tomber deux chiots par terre. Donc le but, c'est de rattraper... Vous le voyez, tous ces petits chiots, puisque ce sont des chiots, hein. Ça doit être les petits bébés de Peter, je crois que ça s'appelle le chien. Et lui aussi, c'est un personnage issu du premier volet, vous en rappelez. Lui, je vous l'avais pas montré. Oh putain! Je l'ai raté. Lui, il était dans le premier volet aussi. Il fallait en fait le fouetter entre chaque trou. Putain, ça va être chaud là, ça va être chaud. Entre chaque trou pour laisser passer, sinon il se transformait en méchant. Il se transformait en espèce de monstre. Ça va être chaud. Il se transforme en monstre et donc il venait nous défendre. Oh putain! Ah, j'ai raté la bombe! Mais quel con, j'ai raté la bombe!
Donc je vous explique le principe. Regardez en haut à droite, il me reste plus que il reste 1. Le chiffre marqué c'est 1. Et voilà, ça veut dire que déjà je suis foutu. Ça veut dire que là, dès que cette phase sera finie, dès que cette manche sera finie, Peter va se transformer en méchant comme dans le premier, en espèce de gros bulldog. Et voilà, et il va me bouffer, je crois perdre 20 ou 30% de ma vie, voyons. Voilà, 30% de ma vie. Et donc le but, voilà. Et là c'est reparti du début. Je dois en laisser tomber par terre le minimum. En laisser splatcher par terre. C'est assez dégueulasse. Voilà. Et ces bombes également, je dois les faire aller. Donc juste de l'autre côté. Regardez ce qui se passe quand on a des bombes. Voilà, hop, il les prend, il les balarde sur Psycrow. Et voilà. Ça fait un round de fini. Et là on devra entamer le second round. Et c'est comme ça tout le temps. Alors, c'est sympa 5 minutes. Mais quand vous avez plein de phases comme ça, et en plus ça dure 4 ou 5 rounds, donc ça dure quand même vraiment longtemps. Bon, mais je suis désolé, à la fin c'est énervant, quoi, voilà. Je suis nul, là. Je suis bidon, alors, de A à Z. Je suis vraiment bidon, là. Je vais essayer de me concentrer un peu plus. J'aurais dû m'entraîner un peu. Ah putain, oui, ça c'est beau. Voilà. Voilà, donc c'est à la fin, c'est un peu chiant. Enfin, moi c'est mon opinion, quoi, c'est un peu... À refaire toujours la même chose, c'est sympa 2 minutes et voilà, j'en ai encore fait splatcher un. J'ai encore droit à en laisser tomber par terre 2 avant que Peter se transforme. Voilà, vous avez compris le principe, de toute façon on va s'arrêter là. Sinon on peut se retourner avec Jim et on peut, regardez, je vais le faire là, hop voilà, il peut s'élancer comme ça si jamais on est trop loin d'un truc. Voilà, ça c'est fini, regardez. Il m'en reste, voilà, je vais mourir probablement. Il va se transformer. Vu qu'il me reste plus que 20% de vie. Je vais probablement mourir. On a quelques continues, hein, on doit avoir 2 ou 3 continues. Évidemment, on peut choisir le niveau de difficulté. Là, je suis resté en normal et qu'on a utilisé, il y a 3 niveaux de difficulté. Voilà, c'est pas mal. Il y a toujours, bien sûr, il y a beaucoup de créativité. Hein, mais pour moi, il y a un manque de fun évident. Et c'est là le gros, si vous voulez, le gros paradoxe de Earthworm Jim 2. C'est que c'est un jeu qui est censé être très fun, mais moi je m'emmerde à l'intérieur. Évidemment, ce n'est que mon avis. Putain, j'ai encore me faire bouffer, décidément. Mais ce n'est que mon avis, mais vraiment, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans ce jeu. C'est vraiment pas un jeu qui m'a plu. Contrairement au premier. Mais c'est vrai que le premier, il y avait la nouveauté, quoi. C'était du jamais vu. C'est vrai. Et donc le second, déjà, la nouveauté, elle est plus vraiment là. Même s'il y a toujours beaucoup de phases originales et de créations, quoi. Ça se voit. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose, je sais pas. Et puis, je sais pas. Je trouve que les stages sont pas forcément très intéressants. On les fait une fois et on n'a plus envie d'y rejouer. Voilà. Bon, allez, on va. Je vais faire donc le dernier niveau que je voulais vous montrer. Donc ça doit être celui-là. Donc on va y aller. Ah non, attendez. A B X gauche droite gauche A B. Voilà. Donc là évidemment je me sers de cheat code. Hein. C'est de la triche. Hein. Sur la Super NES, mais ça existe quand même. Non, c'était pas ça. Oh putain, mais c'était pas ça. C'est quel con. Ok, c'était pas ça. Alors là, j'y comprends plus rien. Wow. Attendez, putain, ça devait être ça pourtant. Je n'y comprends plus rien. Alors là, je comprends pourquoi je suis revenu au niveau en 3D isométrique. Attendez, je recommence, là, j'ai pas compris. A, B, X, A, B, X, gauche, droite. C'est pas ça que j'ai fait tout à l'heure? J'y comprends plus rien du tout, hein, ce jeu. Ah, mais si, voilà, c'est voilà. La Moonlight Sonata. Pour moi, c'est une des plus belles œuvres de Beethoven. C'est magnifique, totalement magnifique. Donc, juste, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous ai à peu près tout dit. Donc, mon ressenti sur ce jeu, c'est que moi, je trouve que Shiny Entertainment ont un peu raté le coche, ils ont un peu foiré leur jeu. Évidemment, ça reste un très bon jeu, que ce soit sur Mega Drive ou Super NES. D'ailleurs, je voulais également vous dire que pour une fois, sur la Mega Drive, le jeu est presque plus réussi sur la Mega Drive que sur la Super NES, parce que sur la Mega Drive, les fonds d'écran, et notamment le premier fond d'écran du premier niveau, est bien plus beau que celui sur la Super NES, qui est tout moche, une cascade toute pourrie, alors que sur la Mega Drive, c'est un coucher du soleil, mais magnifique, ce qui est d'autant plus étonnant quand on sait les limitations techniques de la Mega Drive au niveau des couleurs. Donc vraiment, ça c'est un tour de force que Shiny nous en fait sur les trois Mega Drive. Et donc les versions 32 bits, la seule chose qui change, je sais plus si je vous l'ai dit, c'est une fois de plus les fonds d'écran, sinon c'est pareil, donc c'est une arnaque quand même. Il n'y a que les arrière-plans, pas les fonds d'écran, mais les arrière-plans qui changent du jeu. Le reste, c'est identique. Voilà, on s'arrête là, écoutez-moi cette magnifique mélodie, et je vous dis à la prochaine.
On dirige une espèce, je sais même pas ce qu'on dirige là, ça se veut être une salamandre. Puis c'est vraiment un niveau très, très onirique et très spécial. C'est cette petite bestiole, donc qui est Jim, hein. C'est une bestiole qu'on prend un petit peu en pitié comme ça. On sait pas trop ce que c'est, un truc volant, une petite larve, mais c'est mignon. C'est pas mignon, c'est. Je sais pas, c'est. Ce niveau-là, par contre, je trouve qu'ils l'ont quand même bien réussi. Il y a quelque chose là qui se passe. C'est vraiment un niveau spécial. C'est un niveau très. C'est un niveau unique pour moi. Puis avec cette musique, encore une fois. Allez, je vous laisse apprécier la musique. Way cool! Groovy!